Bonjour à tous et à toutes, salut, c'est bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, nous avons fait un petit flashback en jouant Valérie, la mère de Ryu, et la fille de Jean-Michel Levieux, le vieux qui est ici, où nous avons appris que sa mission était d'aller dans le monde du dessus pour voir si le mal allait venir. Finalement, elle est tombée amoureuse d'un homme que nous avons tué, qui était notre père. Oui, parce que j'ai tué mon père, voilà. Allez voir l'épisode concerné. Et maintenant, on va avancer dans le jeu parce que il me reste techniquement une heure de jeu. Je pense qu'il va m'en rester au moins trois. Alors, je vais pas faire tout le doublage parce que ça me fait mal à la gorge. Mais je suppose que je dois descendre pour continuer le jeu. Je suppose, hein. Ça me paraît logique. Je vais d'abord explorer un petit peu les maisons maintenant, vu que je suis en adulte. Nous sommes fiers de faire partie du clan des dragons. Et toi, Ryu, t'as notre enfant destiné. Tu es notre fierté, s'il te plaît. Fais de ton mieux. Mais tu vas pas mourir. Est-ce que je ressemble à Patty? Oui. Je vois. Je suis certaine que cette personne est un membre du clan du dragon, tout comme nous. Mais... je le disais aussi. Voilà, que je pensais que c'était une réutilisation de sprite. Mon grand-père m'a dit que Valérie était une personne puissante. Oui. Oui, oui, oui. Oh, il est vieux. Ah bah ouais. Oui. Oui. Je voudrais me reposer. Je voudrais avoir full PV. Merci. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais faire de l'ordre là-dedans. J'ai quasiment plus d'herbe vie. Je n'ai quasiment plus de soins. Autre fois. Ah bah oui. Ah bah parfait. Eh ben écoute, tout va bien. Voyons. Ah, j'avais plus de soins du tout. D'accord. Très bien. Je vais en profiter pour vendre des trucs. Notamment certaines armes maintenant. Parce que bon, la bague. Quoique, non, pas la bague. Ouais, ça. Putain, j'ai des trucs, ça ne me sert plus à rien. Ça me sert pas. Ça, je vais quand même l'attendre. Ça, bah, ça sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Ça, encore moins. Ça non plus. La robe du vent, ça sert à rien du tout. Je vais racheter un maximum de soins. Donc, je vais faire mes courses. Ça va durer une petite minute. Mais au moins, je serai à fond au niveau des soins. C'est la meilleure chose à faire. Je vais aussi reprendre des noix. Je crois que je n'en ai plus. Les noix. Bah oui, les noix. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Des herbes vies, j'en ai encore. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Eh ben, hop, on en reprend. Parce que trop, ça n'est jamais assez. Bien, c'est une bonne chose de fait. Allez voir l'autre maison. Es-tu en train de dire que je ressemble à l'homme qui s'appelle Ray? Oui. Je fais partie du clan du dragon noir. S'il me ressemblait, il resterait également un descendant du clan du dragon noir. Mais c'était un dragon noir, justement. Nous, le clan du dragon, n'avions pas d'aile à l'origine. Mais nous sommes à côté de Defeven depuis si longtemps que notre apparence a changé.
Mais nos cœurs ne seront jamais changés en démons. Très bien. Très très bien. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Et toi? Hein? Moi? On n'en est pas Paco? Je sais même pas qui c'est. J'ai oublié. Le démon Defiven est enfermé dans la tour derrière ses portes. Seul l'enfant élu peut y avoir accès. Donc ça y est, c'est le donjon final là? C'est la fin. Et ben go la fin. Ouais, je suis toujours dans l'infinité. Alors attention, question stupide. Oui, sortir est actif. Et ben c'est parti pour ce nouveau, peut-être dernier donjon du jeu. Je ne sais pas. Ok. Et ben très bien. Et ben très très bien. Plein de monstres que je ne connais pas. C'est parfait. Ah, je suis heureux. Ah oui. Mais bon, les gars. Ah ouais, gros dégâts quand même. Aurais-je dû entraîner un petit peu tout le monde quand même avant? C'est une question qui mérite d'être posée. Oui, Nina est devenue un zombie. Je l'ai vu. Ne vous en faites pas, elle est même morte. Mais j'ai des objets. J'en ai plein. Quand même gros monstre. Ah. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. Donc là, il y a plein d'autres endroits. Oh là là, ça va être énervant ça aussi. J'aime pas du tout. J'aime pas ce qui se passe. Mais alors là, Crash, un éclair X, on va faire un froid quand même. Ça a pas fait grand chose au squelette. Il y a eu un zéro qui est tombé. Ça ne me plaît pas beaucoup. En tout cas, 12 000 d'XP pour cette configuration, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a une source, ce qui veut dire que je suis potentiellement dans une zone de farm. Oh shit. Bonjour. Nous sommes les sages du dragon. Nous avons vu le formidable pouvoir du dragon. Valeureux homme du dragon, as-tu des questions? Oui. Allons chercher la puissante force du dragon. Oh, what? Mais...
Afin d'obtenir le pouvoir formidable du dragon infini, nous devons te demander de faire un choix très difficile. Nous devons aller dans une salle et rencontrer des gens. Oh! Ah! Je peux te décaler toi. Celle-ci? J'ai acquis beaucoup d'expérience pendant le voyage. Si je n'avais pas rencontré Ryu, j'aurais traversé la vie en ne sachant que peu de choses. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que c'est une sorte de passage obligatoire pour se me remémorer les bonnes et mauvaises choses que j'ai faites? J'étais toujours lié à la légende de mes ailes noires. J'ai toujours souhaité disparaître pour le bien de Ventia. Mais maintenant, du fond de mon cœur, je veux t'assister. S'il te plaît, choisis-moi, Ryu. Est-ce qu'il faut que je choisisse une personne en fonction de ce qui va m'arriver? D'accord. Donc là... Ok, ouais, donc c'est ça. Je comprends pas très bien ce pouvoir. Tout ce que je peux faire, c'est combattre. Mais je veux aider Ryu autant que je le peux. Je veux le faire. D'accord, donc à chaque fois, j'ai ça. Ok. Ok, et là, si je reviens, je suis tout seul, très bien. Là, j'ai Land. T'es vraiment quelqu'un, Ryu. Je parais que t'es pas capable d'utiliser le pouvoir du dragon. C'est pas gentil. Beau, oh, même pas en rêve. Mon pote, nous sommes venus dans un de ces endroits. Oh, je sais pas si je pourrais t'aider, mais je suis toujours à tes côtés. C'est même pas lui. Je n'utilise plus jamais. Mais jamais, plus jamais je t'utilise. Là, c'est Eikal qui... Je sais pas. Moi, je ne peux croire qu'il y ait de méchantes gens dans ce monde. Non, juste des mauvais cœurs et des gens faibles. Ah, il est difficile pour les faibles de devenir forts. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de ces mauvais cœurs. Comprenez cela. Mais même pas en rêve. Alors, Camtasia m'a fait une coupure sauvage. Ce qui fait que... peut-être que ça a coupé pour vous. Et c'est triste. Mais la réponse, en fait, c'était même pas Eikal. Je ne comprends pas pourquoi ça a coupé. Et je suis navré. Sten, ah Sten, ça pourrait être intéressant. Un jour, j'ai réalisé que je voulais plus combattre. Mais vous regardez, m'a changé. Patron, je suis sérieux là. D'accord. Et donc le dernier, ce serait... Je sais plus. Trulukuman. Récemment, j'étais en train de penser qu'il y a des choses que la logique ne peut expliquer. Oh, je pense que les forts pouvoirs du cœur sont ceux qui sauvera le monde de ce danger. Il y a quelque chose en toi. Ok, et donc au moment là, le but c'est... je vais... Donc là, du coup, faut que je rencontre tout le monde, c'est ça ? C'est ça, j'ai absolument pas fait ce que le jeu m'a dit de faire. Donc il faut que j'aille jusqu'au bout à chaque fois. Ok. Donc oui, c'est ça, c'est de me remémorer à chaque fois. Ah là là, avant je savais pas trop ce que je voulais faire. Ah mais grâce à toi, eh ben, j'ai découvert que je sais ce que je veux faire. Donc s'il te plaît, viens. Il y a quelque chose que je t'ai jamais dit après que tu m'aies sauvé au Colisée. Merci. Je te donne la vie, Ryu. Je t'en rendrai pareil. D'accord. Mais en fait, c'est juste ça pendant 15-20 minutes. Mais si je me pose la question de qui je dois choisir
pour m'assister dans la formation de la récupération de la forme de dragon obscure et puissante. C'est une très très dure question. Je partirai quand même sur... J'hésite entre Kat et Nina. Au départ, je pensais que je m'occupais de vous, les jeunes. Mais Ryu, t'es vraiment formidable. Ah, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Alors laisse-moi là. Laisse-moi ça. Vous autres jeunes pouvez vous occuper du reste. Ok, bah si tu veux, copain. J'hésite entre Kat et Nina. Je partirai peut-être plus sur Nina pour des attaques magiques, au cas où, si jamais, même si ça me semblera bizarre comme choix, pas comme soi. Bon, je suis même pas en rêve parce que ça fait très longtemps que j'ai abandonné ce personnage. Alors au départ, il était très utile pour le soin et les attaques, vu qu'il avait un maximum de vitesse, mais maintenant non. Mon pote, ne dis rien et prends-moi. Laisse-moi faire quelque chose de bien pour une fois. Lol. Bien sûr que non. Mais à la limite, Kat, j'hésite beaucoup trop. Je partirai quand même sur Kat, vu qu'elle a beaucoup plus de défense. Et Nina, niveau défense, c'est une blague. C'est un gruyère, voilà. Une défense en gruyère tellement elle est trouée. Oh, je suis obligé de vous faire de vous montrer deux fois le même dialogue. Oh là là, quelle honte je suis. J'espère que c'est le bon truc que je suis en train de faire, parce que sinon je perds 15 minutes. Et c'est pas cool. Oh, ça doit être injuste. Mais je préfère souffrir plutôt que de voir les autres souffrir. Par conséquent, j'attendais une chance comme celle-là. Eh ben, tu ne la verras jamais, mon pote. Parce que te faire pexer 4 niveaux pour un sort que tu as déjà dans la version US, dans la version PAL du coup, eh ben, ça me fait chier. Stan, il est un peu trop équilibré. Mais pas dans le mauvais sens, il est équilibré dans le bon sens. Même si... Je sais pas trop. D'ailleurs, ça me fait penser que Kat, elle a des sorts tout claquos. Parce que j'ai pas assez de magie. Je vais te dire ce que tu ferais si tu étais à ma place. Si je peux t'être utile. Tu es le bienvenu pour utiliser ma vie. Là, au niveau de son histoire, ce serait à peu près cohérent de le choisir parce qu'il a fui la bataille. Ce qui serait très cohérent, vraiment. Je sais pas trop. Putain, j'ai l'ordi qui au bout de sa vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Aspa, non, il sert à rien du tout. Aspa, à part pour parler aux arbres et traverser les forêts, non. Alors que dans le premier botch, il servait à ça. D'ailleurs, j'ai mis un bon moment avant de m'en rendre compte. Ce qui fait que c'est honteux. Comme tu le sais, notre clan n'a pas d'émotion, donc ce que je suis sur le point de dire est entièrement dicté par la raison. Choisis-moi, c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Ça y est, je dois faire mon choix maintenant, j'ai parlé aux 7 compagnons. D'ailleurs, il y a un 8e compagnon, je pense que c'est un peu tard pour le récupérer. Vu que c'est le endgame à partir de ce moment-là. Exactement. Si tu as rencontré tous tes amis, va ensuite dans cette salle. Et écoute l'homme qui t'y attend. Ok, donc c'est scripté. C'était scripté depuis le début. Est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Ah bah évidemment.
tu dois prendre une décision importante. Le formidable pouvoir des dragons, l'infini, est l'ami qui croit le plus en toi. Il est la force de chacun de tes amis qui croit en toi, afin d'obtenir l'infini. La confiance de tes amis doit être prouvée. En d'autres termes, un de tes amis doit sacrifier sa vie pour toi, ou l'infini ne sera pas tien. Tu dois choisir quelqu'un. As-tu compris ? L'ami qui a combattu avec toi. Je comprends qu'il soit difficile de choisir. Mais sacrifier une vie sauvera le monde. Tu dois décider, Ryu. Ah ! Ah d'accord ! Non mais j'avais pas compris ça, moi. Du coup, est-ce qu'il existe une fin ? Ou je ne sacrifie personne ? Est-ce qu'au moins j'ai le choix ? Alors, qui que c'est que je vais sacrifier ? Parce que là, du coup, ça change un peu tout. J'hésiterais beaucoup entre Ekal. Je pense que je vais choisir Ekal. Je suis sûr que tu comprends tout. Maintenant, tu dois sacrifier un de tes amis en qui tu as confiance. Choisis le sacrifice et va dans la salle. Ekal, il est là, je crois. Ou alors, je ne veux pas me sacrifier, ce qui est stupide. Mais je vais sacrifier Ekal parce que worst personnage ever. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu ne pourras utiliser le vent avec ce comporte. Oh là là, c'était une feinte. Mais quelle bande de trouducs. D'accord. Donc en gros, la feinte, c'était de sacrifier personne. C'est ça ? Ce serait cohérent avec l'histoire. Mais du coup, c'est un peu con de pas me l'avoir dit avant. Fallait que je le devine. Tu es bizarre, jeu. Je vais me sacrifier, c'est bon, j'ai compris, je vais me sacrifier. Voilà. On a compris, c'était un test. Ah là là, tu crois en tes amis, blablabla. Bla bla. C'est bon, ok, tu me la fais pas, je. Tu n'arrives pas à décider. Allez. Je comprends tes sentiments, mais ils sont tous prêts à donner leur vie. Je m'en fous. Non. Ne sois pas si faible, n'es-tu pas l'enfant élu? Du fait que c'est pour sauver le monde, tes amis comprendront. Maintenant choisis. Minable. Tu es en train de perdre le chemin de ta destinée. N'essaye pas d'être aussi bon. Le démon te mangera vivant si tu as un cœur aussi faible. Choisis Ryu. Tu dois choisir. Tu es un bon à rien. Il n'y a pas moyen que tu puisses tuer le démon. Ton voyage prend fin ici Ryu. Oh là là, c'était le piège. Et non, c'était une feinte. Je croyais que tout était fini. Bien, tu n'as pas bougé du tout. C'était effrayant. Ryu a combattu les quarts d'heure jusqu'à la dernière extrémité. Mais en fin de compte, il a obtenu ceci. Il a obtenu la puissance force du dragon infini, c'est bon. Voyez, comme vous le croyez tous, Ryu est un homme formidable. Ah là là, c'était une feinte, MDR. Maintenant va, Ryu. Mais n'oublie jamais que tes amis ont foi en toi. Connard ! Connard ! Putain de test ! C'est un test à la con, ça, en plus ! Oh, je déteste ça. Je hais ça. Maintenant, Vario. Ah bah, il y a un... Premier combat, je bourse ce sort. Mais quel test de merde ! Oh là là ! Ça, c'est nul ! Ça, c'est vraiment le truc, tu me fais ça ! Mais c'est même pas la peine. Voilà, alors... Je peux pas l'utiliser. Pardon. Pardon. Tu te fous de moi. Tu te fous de moi, le jeu.
je vais te faire du mal, le jeu. Tu le sais. Ah, tu le sais au fond de toi que je vais te faire du mal. Ah, mais quel test de con. Il est en train de me dire non. Ah, non, non, non. Non, tu peux pas. Parce que c'est scripté, t'as vu, hein. Ah, non, je peux pas te laisser faire. Connard. Mais connard. Ah. Je te déteste. Oh là là là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est le pire truc à me faire faire, ça. Oh, 36, ça c'est cool. Je veux aller... Ah bah, je vais récupérer le coffre. Voilà, je vais aller à gauche. Oh la mort. Ah bah, Caron ou Charon. Je sais pas comment on doit le prononcer, ce personnage. Mais Caron. Je vais l'appeler Caron. Restez là-dessus. Personnage de, si je dis pas de bêtises, mythologie grecque. Qui fait passer les âmes défuntes. Je dis peut-être une énorme bêtise dans le... Si c'est le cas... Eh ben, corriger. Voilà. Ils sont une très bonne zone de farm, d'ailleurs. Je tiens à le souligner. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Oui. Il y a intérêt à ce que ce coffre contienne un objet qui est très 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 utile. Je vais mourir là par contre. Ouais, je vais complètement mourir. Donc Lend, s'il te plaît. Non. Voilà. Putain, éclair X. C'est parfait ça, éclair X. IX. Même. Ah bah. Ryu décédé. Tant pis. Est-ce que c'était utile? Je ne pense pas. Ah oui, non, mais ça sert à rien, arrête. Arrête de te faire du mal. Vous entendez ma manette d'ailleurs, les boutons. Hein. Bah écoute, je vais les faire farmer, comme ça. Ils auront un petit peu XP et moins de retard par rapport à Ryu. Mais s'il y en a un dans le tas qui meurt... Oh, dommage collatéral. Mais attaque Nina plutôt, s'il te plaît. Voilà, 7000. L'écart se creuse. Soin, du soin, du soin. Je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas un monstre. Calmez-vous. Je récupère ce coffre. J'espère que c'est un très très bon objet. Allez. J'espère vraiment que c'est un très très bon objet. S'il te plaît. Ne me donne pas tort. J'ai du mal à trouver mes mots. Ça veut dire que c'est en train de m'énerver très très fort. Mais il faudra que je me soigne aussi un petit peu, un petit coup. Du coup, il faudra que je sorte de là. Je sais pas où je vais aller dans le, loin dans le jeu. Peut-être que la vidéo sera découpée en deux. Je ne sais pas du tout. Et c'est un critique avec froid. C'est ça, les squelettes, zéro dégâts. Ça me fume. Un point, ça. Allez, l'objet.
un diable. Parfait. J'ai rien compris de ce que j'ai lu. Diamant et une armure. Très bien. C'est pas pour moi. Très bien. C'est pas bon. C'est pour toi. Dis-moi que c'est pour toi, s'il te plaît. Ah, dis-moi que c'est pour toi. Là. Oui. 4 points. C'est tout. C'est tout. Mais ah bah. Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'avais pas mis de meilleure armure. Ah là, l'oubli est palpable. Là, j'ai mal à mon oubli. Je ne comprends pas trop. Ah là, je dois bien vous l'avouer. Ouais. Étrange. Très, très étrange. On va faire une petite save. Oui, tu fais ma save. Oui, on va continuer à faire un deuxième try. Et à la fin de ce deuxième try, si je n'arrive pas au bout, ou si je meurs, et bah tant pis. Voilà. Oui, s'il te plaît, allez. Je me repose. Le jeu a beaucoup de mal, je ne sais pas pourquoi. C'en est presque inquiétant. Mais c'est bon, j'ai le pouvoir de l'infini. Eh, hey, j'ai le pouvoir de l'infini. Non, d'accord, ok, très bien. Ok, t'en fous en fait. Notez que je suis toujours dans... Je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer par ça. Comment je dois le prendre? Dans quel univers? À quel moment? Qui? Personne. Ça n'arrive à personne, ça. Arrêtez. Ah oui, c'est vrai, j'ai de la fumée, mais fumée ne sert à rien. À rien du tout. Voilà, donc Nina, en admettant que froid, ça fait rien du tout sur le squelette, est-ce que éclair, ça peut être un peu plus utile? Et c'est le poison sur Nina. Yes. Non, donc les sorts, on oublie. Très bien. Alors moi, je retiens au bout de 5-6 tentatives. Très mauvaise mémoire. Mais c'est à ça qu'on reconnaît ceux qui continuent dans leurs actions pour bien vérifier. Ils essayent, ils réussissent, à un moment ils se disent « Ok, j'ai fait tous les tests, je peux vous affirmer que ce n'est pas utile. » Non, reviens, j'ai des fumées que je dois utiliser parce que ça me prend de la place. Voilà, même si ça va rien faire, concrètement. Donc là, je vais à droite. Et c'est maintenant que ça a failli me donner tort, ce truc. J'ai fait 10 mètres avant qu'il se passe quelque chose. C'est mieux que les 4 mètres habituels. Ah, pas très utile le froid. Très bien. Une utilité discutable. Ah bah oui, dans l'autre sens. Évidemment, sinon on comprend pas. Ah, par contre, Ryu, grosse douleur.
très très grosse douleur. Je pense qu'on va soigner tout le monde grâce au pouvoir soin 3 de l'End, pas de Sten. Ça n'a aucun rapport. Allez, allez, je vois une grande plateforme. Est-ce que le vent est utile face à la mort elle-même? Il y en a qui vont me dire, oui, il faut utiliser Ange, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Est-ce que vous êtes un expert en mort? Moi, c'est la question que je me pose. Voilà. Le petit critique esquivé d'un petit mouvement de bassin par Ryu, c'est beau. C'est très très beau. Allez. Allez, il y a un escalier. Yes, j'aime les escaliers. Toujours plus de fun. Personne, jamais. Dans aucun monde. Ah. Ok, mais ben là c'est. Ah, je suis ambiancé là. Ça me rappelle l'intérieur de la baleine. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Pardon, il y a un bénitier. Il y a un bénitier. Comment? Par quel hasard il y a un bénitier? Oui, c'est ça. Par contre, je sais que ça va avoir énormément de défense. Ça se lit dans son sprite. 4 milliards de défense. Ça va lui faire 2. Ça va même lui faire 0. Aïe. D'accord, très bien. Donc, Ok. Très bien. Je retiens ça. Ah, je le retiens. Voilà, toi tu meurs. Déjà. Et grosse résistance, cette tortue. Donc je dois traverser une salle et là je suis dans un autre donjon. Très très bien. Oui, j'ai dit donjon. Ouais, des squelettes. Très bien. Alors du coup je vais tenter Ange. Si ça marche, c'est très bien fait. Si ça marche pas, je crée au scandale. Je crée au scandale. Parce que techniquement, un squelette, c'est pas censé. C'est tout le contraire. Quand on te dit le mot ange. À quel moment tu te dis ange, squelette, mais ça peut aller ensemble. Faut que tu me l'expliques vraiment bien sur ton tableau. Faut que ce soit solide. C'est quoi déjà BT? C'est un bâton. Qu'est-ce que c'est? Moi j'entends, il faut avoir 4 dans ton équipe. Remonte à la surface et prends 4. Hein? Vas-y, remonte à la surface. Je te déteste. Alors là par contre, si je fais mort. Et que ça marche, ça n'a plus aucun sens. Je ne comprends plus à ce niveau-là.
Ouais, bon, ça a foiré, très bien. Là, par contre, je pense que Ryu va sans doute mourir s'il se fait attaquer. Heureusement que c'est pas lui qui prend, mais c'est Len qui va en prendre un coup. Eh, quand même, le presque 100. Yeah, 10 000 balles. XP. J'ai de la place, donc une petite fumée qui va sans doute pas servir du tout. Fumée. Waouh. Ah bah surprise. Salut. Surprise. Ah là là. Ah, il y en a deux. Deux pour le prix d'un. C'est parfait, ça. Donc, Land, ok. Et vous... vous allez attaquer. Est-ce que toi, si je fais bombe, ça marche? D'accord. Très bien. On va oublier. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé parce que c'était honteux. Ce que je viens de faire était honteux. J'hésite à continuer quand même dans le doute. Vous voyez, pour être bien certain que ce que je fais, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est un peu triste comme combat quand même. Il a fait le mort en critique, il a mis 4. C'est bon. Non mais je sais pas quoi faire d'autre. C'est ridicule. C'est pas bien. C'est pas bien ce qui se passe. Et Ryu qui mange pas mal. Il en a pas besoin. Pardon. Ah mais si, il en a besoin. Oh, je t'assure mon pote qu'il en a besoin. Oh non. Y'a deux chemins. J'aime pas ça. Oh non, mais pas deux fois. Oh non, mais pas deux fois. Ah, je ne veux rien savoir, je m'en vais. Je ne veux même pas en entendre parler. Putain, c'est le moment où le jeu, j'en ai marre. Comme dirait un grand homme, salut mon pote. Évidemment, il y a une sortie un peu différente. Eh, t'as compris? Il va se passer des trucs pas cool. Eh, vas-y. Eh, tu viens dans le trou? Tu viens dans le trou? Il me regarde avec un œil. Eh, viens. Viens. Du coup, on se prépare sans doute pour un combat de boss. Ah oui, c'est vrai que ça enlève des points de vie. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ça doit enlever des points de vie, ce truc. C'est complètement stupide. Allez. Ah, oh, c'est même pas la fin. Moi, je descends. Je m'en fous. Ah, mais là, je descends. Je vais dans le centre de la Terre s'il faut. Mais je vais plus à droite ou à gauche. C'est pour un coffre. J'ai fait ça pour un coffre.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça, le jeu? Qu'est-ce qui s'y passe? Non, mais... À ce niveau-là, tu me le dis si tu veux plus me voir. C'est... Dis-le-moi. Comme ça, on est fixé après. Il n'y a plus d'entourloupe. Ouais, le paladin pas très ouf, d'un niveau que je qualifierais de moyen. Soin 4, ça existe vraiment? 300 de vie? Oh ouais. D'accord. Il y a Ah non, il y a une suite. Merci. Il y a une suite. Ça va. Il y a un coffre et une suite. Oh, il y a des magiciens. Vous pouvez me dire si vous m'aimez pas. Tu me le dis si tu m'aimes pas. Moi, après, je me dis, est-ce que ça vaut bien la peine que on continue dans cet état d'esprit? Parce que là, ça fait quoi, presque une heure? Moi, je commence à me poser des questions, le jeu. Mais en plus, ça se dit même pas fort. Oui, 41, trop bien. Je suis heureux, là. J'ai mes soins qui sont en train de partir en fumée. C'est un bracelet, ça. Je pense que c'est un bracelet, c'est un bouclier. Alors. Oui. Ah mais vous avez tous un mixte BC? Bon, sauf lui parce que... je sais pas, et toi parce que je ne sais rien du tout non plus. Bon, attends. Ah non, donc personne peut le mettre, très bien. Ok. Donc j'ai gagné un bouclier. Je me sens chanceux. Lol. Je suis descendu 3 fois déjà et c'est pas fini. Oh là là. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur. Ouais, pas impressionné. Si c'était 3 à la limite, j'aurais eu peur. Là non. Là je suis mort. Tu peux faire mieux là. Parce que regarde, moi ce que je fais, c'est que je demande à l'aide. Tac. Soin 3. Problème réglé. Ah. Oh. Ah bah ça, c'est quand même bien. Ça veut dire que je suis peut-être à la moitié aussi. Et ça me plaît moins bien. Soit je suis à la moitié, soit je suis pas loin. Dans les deux cas, j'aime pas. Ouais, c'est quoi même éclair X. Comment ça, coup fort? Je suis pas d'accord, ça.
Eh ben Lone, je suis content. C'est un labyrinthe. C'est ça, c'est un labyrinthe. C'est ça. Oh, dis-moi que c'est ça. Oh, on se rapproche des trucs que j'aime moins bien. Ça, j'ai pas vu une variante de ça avant. La question se pose. Et j'ai un doute. Bon, on va tout mettre sur le Hamon. À deux fois. Deux fois. D'accord. Et ben, je ne t'apprécie pas beaucoup. Hamon. Hamon. Au choix. Débrouillez-vous pour la prononciation. J'ai cru qu'il allait résister à ce 293. Et j'allais pas être content. Notre Aculande a 404 points de vie. Normalement, la barre ne devrait pas s'afficher. Il devrait avoir erreur. Les bonnes blagues de l'internet. Non, mais arrêtez. Mais arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Respectez-vous. Allez-vous-en même. D'accord, donc tu fais des silences. Donc toi, tu crois que ça peut marcher. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que t'avais un soin. Moi, j'ai tout mon temps. À un moment, de toute façon, tu vas être à court de magie. Et tu vas perdre à ce petit jeu. Voilà, t'es à court de magie. Quand est-ce qu'on finit? Quand est-ce qu'on... Ah, attendez, il y a un truc qui brille. Il y a un bignot qui clignote. Ça veut peut-être dire qu'on n'est pas loin de la fin. Si c'est un téléporteur, je hurle. Mais il y a un bignou qui brille. Ah, j'en peux plus, mais au secours. La banina 40, c'est bien, tout le monde a level up. Il y a un bignou qui brille. C'est un téléporteur. Ah. Attendez. Attendez. Là, très clairement, on m'a dit... Eh, il va se passer quelque chose. Attention. Il va se passer un truc. Il se passe un truc. Tu es arrivé. Tu es l'enfant élu, hein. N'aie pas peur. Viens, tout droit. Est-ce que tu as peur du noir, Ryu? Crie-moi dessus, comme tu l'as fait lorsque tu n'étais qu'un enfant. Ça faisait longtemps, Ryu. Je pensais que tu serais celui qui ouvrirait les portes. Enfant élu, courageux dragon. Te souviens-tu de moi? Ton cauchemar. Ton travail est terminé, tu as ouvert le portail. Le monde appartiendra à Death Even. La destruction totale commencera au pied des portes que tu as ouvertes. Allez, viens m'attaquer, Ryu. Cette fois, je ne me retiendrai pas comme je le fis lorsque tu n'étais qu'un enfant. Wouh! C'est le boss! C'est la fin du jeu. Alors, est-ce que j'ai droit? J'ai pas droit. Eh ben, Dragon Kaiser. On entend la musique du boss qui a changé.
Ah, je claque tous les spells, hein. Je ne veux rien savoir. Si je meurs, eh ben j'arrête et puis je vais farmer un certain temps. D'accord, très très bien. Je n'ai pas regardé s'il y avait plusieurs endroits sur son corps. Semblerait-il que non. Aïe. Aïe. Très bien. J'ai bien fait d'avoir gardé l'end avec moi. Ok. Intéressant. Très intéressant. L'enfant Pleurnicha a grandi et a tellement gagné en puissance. Qu'est-ce que tu dis de ça, Ryu? À présent, tu vas me combattre seul? Si je dis oui, je vais mourir. Mais c'est peut-être la bonne fin, du coup je vais dire non. Ah, ah, ah. Alors tu dis n'importe quoi pour gagner. Bien, ça peut être intéressant. Allez, viens, battons-nous. Yeah, deuxième phase, trop bien. Ah, je suis heureux, c'est la deuxième phase, alors que je n'ai plus autant putain de points de magie. Du coup, sur un 4, ça rend tous les PV à n'importe qui. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? C'est le fun, c'est très fun. Ah, si je meurs, mais je rigole. Non, je ne meurs pas. Merci. Très chouette musique, en tout cas. Hein. J'ai failli mourir en mangeant ma noix. C'était le pire move à faire. Est-ce que je peux faire l'infini? Non? Très bien. Je crois que j'ai un objet qui est cool, c'est qui rend les objets à tout le monde. Les soins qui rend tout à tout le monde même. Non? C'est pas ici? C'est pas ici? T'es sûr? Non? Non, je me suis tué. Comment ça, je me suis fait avoir? Non? Très bien. Ah, si. La goutte lune. Parfait. Que j'ai bien fait de garder. Du coup, j'ai un sort qui vient d'être utilisé pour rien. Ce qui est con. C'est très très con ce qui se passe là. Hop, attaque de zone, on l'a compris. Je dois pas être bien préparé pour ce boss, je crois. Mais bon, si j'arrive à le battre, je serai content. Ah. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ah mais tous les jours. Tous les jours. Là, le but, ça va être de battre avant que je n'ai utilisé tous les PM de l'end. Trop bien.
On balance tout. On balance tout. Ça va, c'est pas les attaques les plus dévastatrices. Nina, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi? Ça va rien faire. Ah, 74. Wow. Ça fait beaucoup. Utiliser tous les objets que j'ai dans mon sac. On lance tout. Ça va rien faire. Ça va faire à peine 80. Waouh, 64. J'étais pas loin. Peut-être réutiliser froid. Ouais. Aïe. Aïe. Comment ça riposte? Bon bah Nina, au revoir, salut. Ah non, juste sur moi, ok. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur le jeu, bien joué. Je vais tester froid quand même. J'avais ça dans mon sac et je l'ai pas vu. C'est moi, je suis un peu con dans ma vie. Bah prochain tour hein. Ah, Nina, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. Oh, esquive. Petit mouvement droite gauche de Ryu, très beau. Bien. Est-ce que je peux utiliser l'infini? Non, je vais me faire foutre, très bien. Je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Pourquoi? Ah, oh, j'en ai marre. Qu'est-ce que j'ai l'un peut faire à part rien du tout? Bah rien du tout. Les objets, hein? Il reste que les objets. Même Sten, ouais, bah Sten aussi. J'utilise tout. Oh mais s'il vous plaît, après ce tour là je sais pas quoi faire, j'ai pas de plan moi. J'ai tout utilisé. J'ai zéro plan là. Je suis complètement foutu.
je peux y drainer de la même. Oh, je peux y drainer. Eh ben, vas-y. Oh, je suis complètement dans. Ouais, je suis. Ah là, c'est compliqué. Ah là là. Vas-y. Ça, c'est le mouvement du dernier espoir. Après, je sais pas. Là, je ne sais pas. C'est go suicide. Bon bah, Ryu, au revoir. Allez, salut Ryu. Merci mon pote. Yeah, merci Nina, trop bien. Oh là là, c'est honteux. Oh là là, c'est honteux. Oh là là. Ah là là, c'est la mort. Allez, salut. Voilà. Et c'est ainsi que Ryu n'a pas réussi. Ah là là, oui, soyez prudent. Ah, c'est bon. Donc là, j'ai utilisé tout. J'ai utilisé tous mes objets. Ah, mais au secours. Oh là là. Ah, ça me fume. Oh. Bon, et ben c'est sur cette défaite horrible, horrible défaite de Ryu qu'on va s'arrêter. Bon, ça va pas être pour tout de suite la fin du jeu. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes actuellement dans une réalité alternative où j'ai XP pendant je ne sais combien de temps. Ce qui fait que je me retrouve avec des persos beaucoup trop forts parce que je pense que j'ai atteint ma limite en termes de patience. Parce que vous savez que le jeu a un problème avec la localisation FR. Du coup, nous sommes dans une réalité où je suis devenu beaucoup plus fort parce que j'ai farmé pendant des jours entiers. Donc, vous connaissez ce passage, hein. Oh là là, l'enfant élu. N'aie pas peur, viens tout droit. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Oh, je sais que tu as peur du noir, Ryu. Vas-y, crie-moi dessus. Ah là là, crie-moi dessus, espèce de petit salaud. Oui. Ah, ça faisait longtemps. Blablabla. Oh là là, enfant courageux. Oui. Oh là là. Oh mon dieu, cette révélation. C'était un scorpion géant. Oui, parce que là, je me fais tuer. Voilà, je suis. C'est le moment où. Terminé. Allez, le jeu me roule dessus, me pose une difficulté beaucoup trop grande, c'est fini. C'est fini. Donc, je vous présente cette équipe qui a un petit peu trop maxé ses levels, sachant que 4 désormais peut utiliser des sorts. Regardez, elle peut utiliser Éclair X, qu'elle fera plus tard. D'ailleurs, elle fera Flamme X plutôt. Ce que je vais faire, c'est donc faire les 999 de dégâts nécessaires pour que la phase scriptée se déclenche. Et ensuite, dès que j'arrive à la deuxième phase, je balance tout. Alors oui, maxé, mais les stats, ça dépend si ça suit ou pas. Oui, parce que quand même, faut qu'il reste un petit peu de difficulté, sinon, c'est pas drôle. Et ça riposte, oh là là. Alors, on retient au prochain tour faire un soin général. Allez, Lend, je sais que tu as un soin pour tous. D'ailleurs, je crois que tu vas attaquer en dernier, donc c'est bête. Au revoir, Kat. Allez, salut. Oui, je joue volontairement très très mal là. Voilà, donc c'est bon, deuxième phase. Oh là là, Barbaroi, intéressant. Oh là là, oh là là. Mais il a gagné en puissance donc. Oh là là, allez. J'ai pas envie. Allez. Allez, salut mon pote. Ah bah évidemment. Et donc là, ce que je vais faire, c'est donc le sort de Dragon Kaiser.
Et l'un des bah écoute, tu veux utiliser des herbes de vie pour tout le monde, notamment pour Nina. Ah là, je joue très mal, volontairement. Par contre, le Dragon Kaiser, vous ne verrez qu'une seule fois. Je n'ai plus de noix. Oui, et c'est loqué à 999, quel que soit le montant de magie que je dépense. C'est l'Inde qui esquive tout, c'est fou ça. Donc la stratégie, je bourre toute la magie. Sauf pour Ryu. Et l'Inde aussi, parce que l'Inde va ne servir qu'à faire du soin. Flamme X, tiens. Ah oui, alors a priori, Nina a pris d'autres sorts tels que bombe. Ça sert à rien. Et bombe 2. Ah, tiens, ouais, c'est bombe 2. 118, ah pas ouf. Ah c'est très beau. Visuellement c'est très beau. Voilà, le but après c'est de réussir à... Oh 0 et 0, c'est génial. Le but après c'est de réussir à survivre hein. Je pense que vous l'avez compris. Cela dit, même comme ça, j'ai pas l'impression que je vais réussir. Alors évidemment, vous pouvez me foudroyer dans les commentaires. Mais dis donc, t'es un peu nul. Franchement, moi à l'époque, je l'ai passé, mais tellement easy. Ah là, tu me déçois. Et bah écoutez, bravo. Sauf que moi, j'ai pas la patience. Là, la patience, c'est terminé là. C'est un peu comme Golden Sun 2. Mais Golden Sun 2, ça me reste toujours en travers de la gorge. C'est-à-dire que je sais que je peux le faire. Et un jour, je le ferai. Je ne sais pas quand, mais un jour, je le ferai. Alors que je m'aperçois que Kate n'a plus de magie. Ce qui est triste. Ce qui fait qu'elle va attaquer, normalement. Pendant que je continue à faire des bombes de... Ah oui, j'ai soin 4, mais c'est que pour une personne. Ce qui est bête. Ah, ici, elle va prendre... il doit me rester une noix, s'il m'en reste. Bah, elle va en prendre une. Et Nina, bah, continue. Pour la forme, allez. Alors sinon, je me suis renseigné, il existerait une épée encore un peu plus puissante, sauf que ça demanderait de pêcher à un endroit précis pour récupérer un objet, pour l'amener quelque part. J'ai pas la patience, du coup je vais rester dans cette configuration. Ah, oh, je peux faire froid, tiens. On va faire froid. Ça c'est bizarre, ça se passe un peu mieux que la dernière fois, je sais pas où. Mais parce que entre ce moment là que vous regardez et là où j'ai perdu, c'est passé une semaine où je me suis dit est-ce que je vais pexer. J'ai pexé, j'ai monté deux niveaux en 5 heures.
J'ai pas eu la patience. Ah, double attaque, ça veut dire qu'on en... non, c'était une riposte, pardon. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé. Je me suis dit, il fait double attaque, c'est pas bon. Par contre, je vais être un petit peu juste, donc si ça pouvait se terminer... Que je regarde combien il a de points de vie d'ailleurs ce truc. Je sais quoi, presque 2000 points de vie en moins là, voire même plus. Tu peux mourir s'il te plaît, vite. J'en ai un peu marre. Oh, il fait des attaques beaucoup trop puissantes là. Est-ce que sur la version GBA ça aurait été plus simple? Je suis en train de me poser la question. Ça vient de me traverser l'esprit il y a 10 secondes. Je me dis, eh, peut-être que ça aurait été une meilleure idée. Sauf que ça n'est jamais ressorti sur GBA en français. Pourquoi? Nintendo, si tu es là, réponds STP. Oh là là, la riposte. Je vais la manger à la prochaine attaque. Je l'ai esquivé. Oh, c'est beau. Toi, t'as double esquive. Oh, c'est luck. Oh, ça a looké fort. Je peux encore le faire deux tours. Et après, c'est terminé. Allez, je pars sur un éclair. Mais vous voyez le sec à PV que c'est, là. Incroyable. Voilà, terminé. 10 minutes, un temps raisonnable. Donc la suite de l'histoire. Il n'y a aucun doute, tu es puissant, bien plus que nous ne l'avions estimé. Mais ta force ne te suffira pas pour affronter Deerfeeven. T'as rendu compte que... Et il explose. Et du coup, là, c'est juste un couloir. C'est juste un couloir, ok. Voilà. Bon. Donc ça, c'était dans une réalité alternative. Où tout va bien. Où j'ai défoncé sa race au boss. Sachant que c'est pas le boss de fin. D'ailleurs, je vais me soigner. Voilà, soin. Et on va continuer dans cette réalité alternative pour ce que j'espère être le dernier épisode qui va arriver. Sachant que je ne sais pas quoi faire juste après. Voilà. C'est dommage. Est-ce que dans la réalité actuelle où mes persos sont à un niveau classique, je vais le battre? Non, pas du tout. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo qui aura été un peu longue, mais nécessaire.
J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des astuces, vraiment, pour faire ça de manière légit, je suis preneur. Si vous avez des stratégies pour le boss de fin, je suis preneur aussi. De toute façon, il va falloir que je fasse un aller-retour pour reprendre un maximum d'objets. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre le pouce en l'air, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos qui sortent tous les mercredis à 15h30, à me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent et où j'annonce les projets qui sortiront. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Rift of Fire 2.